Salut, c'est Super Connard. Prépare-toi à regarder une vidéo privée sûre. Alors si ta caquette est aussi grosse que baguette, clique sur j'aime. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à une vidéo très spéciale, vidéo dossier. Ah, là, on va sortir les dossiers du grenier. Terrible. Alors, je vous explique vite fait. Il y a pas mal de temps, quand j'étais plus jeune, j'ai déménagé. Le souci, c'est que j'avais un bureau dans lequel je mettais tous mes souvenirs. Donc, des photos, mes agendas de collège, les dossiers, les trucs à ne pas montrer. Voilà, c'est le genre de choses qu'on ne sort que très rarement. Sauf qu'au déménagement, je me suis dit, attends, je vais tout mettre dans une boîte, comme ça, je vais pas le perdre. Bien évidemment, un mois plus tard, je ne le retrouvais plus. Sauf qu'il y a peu de temps, après un déménagement, j'ai retrouvé cette boîte dans des cartons. Boîte qui est ici. La voici, la boîte céleste. Attendez, hé, y a même encore la poussière, hein. C'est pas du fake, hein. Qu'elle soit propre. Voilà. Je vois déjà un dossier très sale. C'est incroyable. Il y a toute chose. Il y a mon agenda du collège, mes agendas du collège, des photographies, des lettres. Ça va être très sale. Putain. Préparez vos screens, les gars. Ok. Ok, on part sur un gros dossier direct. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis pas prêt à assumer. Mais il n'y a plus de choix. Il n'y a plus de choix. Le moine. On m'appelait le moine. Alors, clairement. Clairement, hein. C'est une tête de moine. Salut, c'est moi, Cyril, votre youtubeur préféré. Non mais, alors, on peut en parler. Ah non, là c'est du dossier, là c'est du sale, hein. Je suis un moine, regardez, plus tard je serai un grand youtubeur. Et j'aurai 1 million d'abonnés. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Ouais, terrible. C'était peut-être la mode en 96. On ne sait pas, on ne sait plus, on a oublié, hein. En tout cas, bon, en 2016, non, ça, on sait. Mais après, on peut voir le côté positif. Parce que, regardez un petit peu. Quand vous voyez ça, est-ce que vous vous dites, cet enfant est un diable, cet enfant est un démon? Vous ne vous dites pas ça. Et c'est là que toute la stratégie opère. Il faut savoir que quand j'étais petit, j'étais vraiment une petite fouine. Donc je faisais souvent des conneries en douce, et les gens me sortaient toujours une chose. Lui? Mais non, c'est pas lui, il est trop mignon. Oh, regardez. Eh ben non, c'est là qu'il tombe dans le piège. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en fait, j'étais le diable incarné. La couverture parfaite. Donc ça, cette coupe, cette tête, m'a beaucoup aidé dans la vie. Oh, regardez les petits coquins. Eh, les agendas. Sympa. Qu'est-ce qu'on a? Des souvenirs, là. Oh, c'est pas moi, ça. Eh, c'est pas moi. C'est une photo de classe, mais je suis pas dessus. Wow. Un appareil photo jetable. Est-ce qu'il en reste? 20 minutes later. 2 hours later. So much later that the old narrator got... Bon bah il est plein, je crois. Il faut que je le fasse développer, comme ça on pourra voir les photos. Hop, annoté. Je développe les photos. Hop. Oh, mes lunettes. Mes lunettes de quand j'étais petit. Eh bonjour, putain. Ah, ça fait mal aux yeux. Oh. Eh, beau gosse. Beau gosse ou pas? Elles sont toutes petites. Excellent. Oui, donc je disais justement le duplicata. Ouais, c'est tout ce que je sais dire en termes d'administratif, je suis désolé. Ça n'ira pas plus loin. Orange, ça rentre dans la boîte. Non, je préfère largement mes nouvelles lunettes. Alors là. Là, c'est encore plus jeune, je crois. C'est toujours pareil, c'est très dossier. Bonjour, c'est moi. On dirait que j'ai une bouche sans dents. Hey, ça va ou quoi? La forme? Oh putain, la gueule. Oh, il faut que je vous montre ça. Oh, ça va être trop chiant, je vais devoir flouter tout le monde. Trouvez-moi dans cette photographie, ça va être très dur. Hey, salut les potes, c'est moi, votre youtubeur préféré. Hey, waouh. Cet appareil photo est vraiment incroyable. Bon, surtout, n'oublie pas ce qu'a dit maman, il faut sourire et être content. Franchement, quand vous regardez, j'avais quand même une joie de vivre, hein. Je l'ai toujours. Mais regardez, je suis quand même content, je suis là, je suis... Ouais, la vie est vraiment géniale. Et là, pareil, toujours avec mon frangin, bon là, ça va, tranquille, normal, c'est pas choquant, hein, je dis, ça va encore. Tu crois qu'il faut sourire encore longtemps? Ouais, je crois. Souris. Ça, c'est tout ce qui concerne les lettres d'amour, les petits mots. On va regarder. Pour l'amour de ma vie. Mais pas grand chose pour l'amour de ta vie. Oh. J'ai passé de magnifiques vacances à tes côtés. Je suis heureuse avec toi, au paradis. J'ai beaucoup de chance de t'avoir. J'espère t'avoir toujours près de moi. Bah du coup non, bah désolé. Ces 2 mois ont rendu mon amour encore plus solide. C'est beau l'amour. C'est beau la jeunesse.
Qu'est-ce que c'est beau. Alors, ça, c'est quoi ? Comment ça va ? Bof, car ton départ approche à grande vitesse. Les amis sont comme les étoiles. Nous ne pouvons pas toujours les voir, mais nous savons pourtant qu'ils sont là. La distance nous sépare, mais l'amitié nous unit. Alors, on est très fusionnel. Putain, on était très jeunes, mais les mots... Laisser une fille et lui dire de ne pas pleurer, c'est comme couper un arbre et lui dire de ne pas tomber. De ne pas tomber. Et la petite blague à la fin. Pourquoi un homme, c'est comme un magnétoscope ? Avant, arrière, avant, arrière, éjecte. Ah, ouais. Et vive les gros nichons. Ah, et le pire, c'est que je crois que les jeunes ne peuvent pas comprendre cette blague, en fait. Je viens de m'en rendre compte. Ouais, bon. C'est blague plus 18. Encore une... Waouh ! Waouh ! Un roman ! Super ! Copie double. Putain, Copie double. Ceci... Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Hein, y a pas de blanc. Bon bah à voir, c'est une lettre pour me demander de sortir avec quelqu'un. Vous êtes prêts? Accrochez-vous. Ah là c'est violent. Cyril, je ne veux pas te forcer à sortir avec moi, car ça serait égoïste de ma part. Pareil, je ne peux pas te forcer à avoir les mêmes idées que moi, du genre que j'aimerais être à tes côtés tout le long de ma vie. Je t'aime, I love you, ti amo. Tekiro. Tellement de belles choses dans cette boîte. Mais écoutez, on a fait le tour des choses que vraiment je peux partager. Après, il y a des photos de cul, tout ça, je peux pas... Des sex tapes de quand j'avais 10 ans, je peux pas partager ça. C'est confidentiel. C'est personnel. Écoutez, j'ai encore d'autres dossiers. D'ailleurs, il faut que je fasse développer ces photos, je vous les montrerai. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. On pourrait se faire un deuxième épisode avec le reste. Tenez-moi au courant dans les commentaires. Sur ce, à bientôt.